Oh, les gens, donc la dernière fois, on avait enfin battu la reine après trois tentatives. Nique sa mère la reine. Hein. On doit, si je me trompe pas, aller dans la forêt. Voilà. Devant nous se dresse la forêt d'Empoigne, tout en trompe-l'œil. Oui, ta gueule. TG. Bon, il est 1h du mat, donc je vais éviter de trop gueuler, sinon je vais réveiller un peu tout le monde. Alors, ma team est très bien comme ça, on va entraîner notre soporifique. L'un va tout droit, l'autre serpente les arbres. Allons, oui. C'est bien, le mec il dit je vais prendre le chemin le plus facile du monde. Allez, j'y vais. Putain, je dois me taper tous les dresseurs. C'est un combat double en plus. Je ne sais même pas. Oula, ils ont 4 Pokémon, putain. Qui est qui? Ok, donc je vais taper. Non, le psy coup de boule sur Venipat parce que c'est super efficace. Et le force nature sur je ne sais pas qui. Putain, mon dieu, les dégâts. Ça fait peur. Je me fais dépasser par un Venipat. Hein. C'est au calme, tout va. Le point poison. J'espère que j'ai un antidote. J'ai pas envie de me taper de retourner déjà au centre Pokémon. Canon graine. Ah oui, merde, je suis en forêt, donc oui, c'est normal. Mon palme qui s'en bat les couilles. Chlorobulle, là. Ok, bon, bah, je continue. Hein. Et du coup, je vais switch mon palme et je vais mettre César, puisqu'il résiste aux deux stabs. De larveillette et au stab de chlorobulle. Bien sûr, il faut que je mise le petit coup de boule. Hein. Extra ascenseur. Ok. Alors. Je vais taper vampire point et acrobatie. Hein. Surtout pas ébullir l'avant double. Paf! Allez, au revoir, larveillette. Vampipoing. Qui fait, ça va, quand même, un peu de dégâts. Ah, non! Il a synthèse, le salaud! Oh, pourriture communiste. Doudouvet. Doudouvet avait pas encore le type fée, donc ça va. Il y avait déjà farceur. Putain, merde. Sinon, c'est que vraiment, je suis pas rapide du tout. Je me fais dépasser par un Doudouvet, mais à mon avis, il a farceur. Hein. Parce que pour taper comme ça en priorité. Enfin, taper. Pour faire le l'attaque sport coton en priorité. Bon, il peut pas faire extra ascenseur sur. Enfin, si, il pourrait, mais ça ferait pas de dégâts à Mesmerde. Soporific. Voilà, hein. C'est génial. Je dois aller me soigner. Hein? C'est fun. Bon, on va y aller avec la bicyclette. Hein. Fait chier. Ah bah non, je peux me soigner là, je suis bête. Oh merci l'infirmière. Oui. Tu empoisonnes. Oui, merci, Venipat, t'avais point poison. Bon, il avait pas turbo. Bon, combat contre le team Plasma. C'est la deuxième fois qu'on se bat contre eux, hein.
Putain, 3 Pokémon. Bien sûr. Faut qu'il ait un Pokémon qui. Ah, je sais pas s'il est déjà. Est-ce qu'il est déjà de type. On va le savoir tout de suite. S'il est déjà de type ténèbres. Non. Pas cette attaque de merde. Rate pas. Non, c'est bon, il rate pas. Oui, il est déjà de type ténèbres, donc il a pas aimé le Vanpipoint. Voilà pourquoi Vanpipoint sur Soporifique est pas si mauvais. Trompignon, on va changer, on va mettre César. Parce que ça touche le type ténèbres. Bon, je pense qu'Hypnomade apprend à Exploforce normalement. Pour toucher aussi les types ténèbres, mais bon, tu. Laisse rarement un type psy sur un type ténèbres, à moins que tu sois sûr de one-shot l'adversaire. Rapion. Je vais mettre Ravengo. Rapion, c'est chiant. Il est poison ténèbres. À moins que Rapion ne soit que poison, mais. J'aime bien. Je trouve pas mal comme Pokémon, Rapion. J'aime beaucoup Drascore. Oula, Accupression. Ça va monter quoi? La vitesse. Bon, bah, il va être plus rapide que moi. Hein. Oui. Coup critique. T'es en train de me dire, mais mon dieu, il fait mal ce con. En plus, c'est pas efficace vu que je suis type combat. Bon. D'ailleurs, faudrait que je regarde. Ce serait bien que mon Pokémon apprenne. Une attaque de type lame sainte ou un truc comme ça. Ah, il y en a un là. Un deuxième team plasma qui va me faire chier, à mon avis. Cornèbre. Ah. Faudrait que j'arrive à l'endormir. Et si je l'endors, ce serait. Ah, il est plus rapide que moi, merde. Ça va. Bon, je l'endors pas, je me casse. Revengo et. Voilà. Deux types combat, j'avais complètement oublié. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Non. Putain, en fait, j'ai un léger souci avec les cornems, du coup. Hein? Coup de boule. Ah, je suis plus rapide que lui, du coup. Mon dieu, les dégâts. Bon, et la poursuite. Allez, vitesse extrême. Mon dieu, j'avais oublié que mon Linéon tapait si fort que ça. Léopardus. J'ai envoyé Waka Waka. Je pense que Forte Paume va faire très mal. Parce que Léopardus est de type. Oh, il a bluff. Bon, voilà. Hein. Léopardus est de type Ténèbres. Forte paume. Paf. Ça là, one shot. Bon. Et ben, je vais vous zapper le passage où je vais me soigner. On va se retrouver devant lui. Bon, je reviens. Bon, voilà. J'ai soigné ma team et je tombe sur un neuf. Ok, non. Pas du tout. Choc mental, oui. Ça va pas me faire grand-chose, choc mental, hein, de toute façon. Là, il y a un objet. Choc venin. Je crois que ça fait plus de dégâts quand, si l'adversaire est déjà empoisonné. Je crois que c'est celui-là. Non, je veux juste. L'effet est doublé si l'ennemi est déjà empoisonné. Oui, c'est ça. Ah,
Doulouvet. Je crois que Doulouvet, il évolue. Oui, Doulouvet, il évolue avec la pierre soleil. Mais on s'en fout. Bon, allez, je m'entraîne un peu quand même. Il faut. Aïe, ça croque. Valignon. Ouais, Valignon, voilà. Coup de boule. Ouais, lui aussi. Sauf que moi, j'ai. Ah! Si t'arrêtais le miss, soporifique, ce serait bien. Paf! Ouh, ça... Ah oui, c'est vrai que ça peut flinch comme, comme coup de boule. Bon, bah, du coup, Balignon, on le touchote, hein. Vu qu'il n'est pas encore de type combat. Arco! Bon, voilà. Cet homme a des Pokémon plantes. Bon, Arco, je pense que tu vas pas aimer un Nebulilave. Voilà quand même, hein. Hérissandre. Bon. Là, je peux mettre mon Revengo. Je ne pense pas qu'Hérissandre va me faire cruel. Hein? Ou sinon, c'est le retour des Pokémon qui ont des attaques pétées. Genre Rattata Boule de Feu niveau 5. Hein. Je crois que le Rattata Boule de Feu va rester à vie dans ma tête. Parce que putain, ce Rattata m'a tellement défoncé la gueule. Encore Rattata Roue de Feu, ça existe, mais Rattata Boule de Feu, non. En Venipat, non, merci. Non, je dis non, je fuis, s'il te plaît, fuis. Bon, soporifique, tu vas mourir, je m'en bats les couilles, tu. Voilà, tu me casses les couilles, tu. Voilà. Mais pourquoi tu peux pas fuir face à un Venipat de merde? Putain, mais sérieusement, il sert à rien ce Pokémon. Putain, j'ai pas envie de retourner le soigner. Est-ce que j'ai un rappel ou une connerie comme ça? Non, bon, bah, il va se faire foutre, hein, il reste mort. Bon, il me saoule. Hein, il est même pas capable de fuir face à un vieux Venipat de merde dans la forêt. Hein, c'est bon. Bon, s'il te plaît, Matloutre, fuis. Putain, mais à chaque fois je fais. Allez, mais putain, tout ce qui ne marche pas. En plus, voilà. Hein. Il y a un objet là. Et un dresseur surtout. Bon, j'espère qu'il a pas des Pokémon de cancer. Ça fait 15, 13 minutes d'épisode. Voilà. Sac de nœuds. Ok, bon, bah Matloutre, je suis désolé. Tu peux. Ce serait bien quand que ma touche réponde. La touche a du mal. Elle répond pas très bien à la touche. Hein, c'est du tactile, mais j'ai l'impression que la touche droite veut bugger. Force nature de type canon, bon, ça va. Ça va, ça fait mal. Mais bon. Au revoir, sac de nœuds, hein, tu vas arrêter de me saouler. Ringo passe au niveau 25, veut apprendre vibre à quoi? C'est déjà. Non? Oui. Je vais oublier pistolet à eau. Certes, c'est spécial, mais ça, c'est mieux que pistolet à eau déjà. Bon, ils ont quoi, tous, avoir des Pokémon plantes, s'il vous plaît, là? C'est ça, en fait, j'aurais dû prendre Gricuit, c'est ça que vous voulez me dire? Puis je serais venu ici, ils auraient eu tous des Pokémon eau, c'est ça? Mon Dieu. Insécateur, bah non.
tellement stylé. Ah oui, il est plus rapide que moi ça. Hein. Oh putain de merde. Ok. Slimy, tu es un peu ma dernière chance. Tu es le seul qui ne prenne pas super efficace sur Cruel. Petit coup de boule. Ah oh non. Eh bah rip ma team je crois. Hein. Boubou fera plus de dégâts que... Ouh, cruel. Tiens. Là par contre, il va falloir que je fasse vitesse extrême. Voilà. Hein. Hop là. Voilà. Mon dieu. Bon, un... oui. Qu'est-ce qu'il me donne? Bévaron, ok. Blablabla. Ma team est dans un état, mais je m'en bats les couilles parce que c'est bon, j'ai pas envie de me taper. De retourner à chaque fois à l'entrée de la grotte. À moment. C'est spécial du type ténèbres qui peut apprendre un moment dans ma team. Ah bah si. Sûrement mon. Peut-être mon Linéon, mais je suis pas sûr. Ah bah non, Lignon ne peut pas apprendre à Beaumont. D'accord, bah pourquoi pas. Bon, les Pokémon sauvages, c'est chiant. Run. Vous prenez la fuite. Ah oh merde, pute. S'il te plaît, me dis pas que t'as encore que des Pokémon plantes, sinon bah je suis dans la merde. Oh mon dieu, leave me alone. Putain, mon dieu, je crois que c'est la fin là. Je... Bon, hein. J'ai qu'un seul Pokémon qui, voilà. Résiste. mon dieu. En fait, ce jeu fait tout pour te rendre fou. Genre, vraiment. Entre les Pokémon de merde qui pop en permanence et ont forcément... font... Bon, bah, j'ai perdu. Hein. Ma team, elle est morte. S'il se réveille pas, j'ai perdu. Parce que Matloutre ne peut strictement rien faire à Rosalia. Rosalia résiste aux deux stabs de Matloutre. Et puis, bien sûr, mon Meditica dort comme un gros con. C'est génial, je vais devoir me retaper toute la forêt, j'ai vraiment pas envie. Allez, s'il te plaît, Palm, sois utile, fais quelque chose. Je sais que t'as pas d'attaque, mais Mega Sensu devrait faire le... Non, non, déjà tu peux pas siffler un Elgatron. Putain, c'est l'attaque la plus puissante que j'ai. Tu peux endormir un petit plante, mais putain. Mais stop, mais c'est quoi ces cancers là? Putain, ils ont tous des 7 cancers. Ça m'exaspère. Je deviens fou. Récupérer. Oh, 4 PV, ouais. Je peux pas vampigraine parce que ça marche pas sur les types plantes. Hein. Lui il peut m'endormir mais moi je peux pas vampigraine. C'est génial, il m'enlève 8 PV, j'en récupère 4. Putain. Canon graine fera pas masse de dégâts vu que je rappelle que Eliatron tape plus fort sur le SP que le physique. Voilà pourquoi je fais pas Balgraine. Et quoique je vais essayer. Non, ça sert à rien. Que j'essaye. Vu que voilà. Putain. Je crois que je vais arrêter cet épisode juste après ce combat. Parce que je vais. Voilà.
Hein, il me fait chier. Toute ma team est morte presque. Je vais être obligé d'aller me soigner de toute façon. Ça me saoule de faire tout à l'envers pour revenir. Oh, s'il te plaît, tue ce Rosal. J'en peux plus, mais arrêtez avec vos sifflets de merde. Putain, je vais accélérer le combat, je m'en fous. Allez, blablabla, bla bla, allez, réveille-toi, méga sensu, tu le tues. Putain, j'en peux plus là. C'est bon avec vos sifflets de merde là. Il a quoi d'autre? Scarabrut, je m'en bats les couilles. Brismoule, je m'en fous. Allez, Vampigraine. Ça, c'est un Scarabrut armure. Voilà, hein, je vais être cancer jusqu'au bout. Bon, hein, voilà, génial, un PV. On va voir combien fait mes gars sans dessus. Oh, ça va, mes gars sans dessus fait mal quand même, hein. Et pourtant il résiste. Allez, je comprends pas pourquoi il fait casse-brique. Scarabrut, vraiment, qui perd contre un Eliatron, on aura tout vu. Allez, palme, oui. Germignon. Bon, s'il te plaît, Germignon, me dis pas que t'as poudre dodo et autres conneries comme ça, sinon je. Hein. Coup de boule. Bon, ça va. Putain. Mon dieu, bon, c'est lui qui passe au niveau 25, blablabla. Clairement, ma team n'est pas prête du tout pour la suite de l'aventure, mais bon. Bepécha, blablabla. Bon, j'espère quand même que cet épisode un peu salé vous aura plu, et je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, Waka, Waka.